Hey yo, what's up tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien les potes, ça y est on est mardi et maintenant c'est coutume le mardi, je vous présente un petit peu tout le reboot de la semaine, donc directement dans une vidéo condensée. Allez, on va commencer cette semaine avec les nuits noires, donc la nuit noire de cette semaine est tout simplement le nouvel assaut, donc avec Tanix. Les dégâts sont abyssaux et solaires, voilà, il y a anti-aérien, donc il faudra éviter un petit peu de sauter en l'air cette semaine, voilà. Au niveau de l'assaut épique de la semaine, on se retrouve cette semaine avec Fogoth, et il n'y a pas de dégâts, mais voilà, il faut privilégier vraiment l'utilisation des armes légères. Au niveau de la prison des vétérans pour cette semaine, alors il y a quelques changements. Donc au niveau de la 28, hein, pas de changement comme d'habitude. Au niveau de la 32, par contre, on va retrouver donc le dieu serviteur Kha'Lix ressuscité qui était en niveau 34 la semaine passée. Donc voilà, on le retrouvera en niveau 32 cette semaine. Pour le niveau 34, grosse nouveauté, un nouveau boss donc qui s'appelle Gulroth le Malpropre. Je vous ai trouvé un petit screen de lui, je vous le mets à gauche. Donc c'est tout simplement un espèce de Fogoth en fait, voilà, donc comme d'habitude il y aura sûrement une capacité spéciale, j'attends d'aller faire le level 34 pour vous sortir la vidéo, et en level 35 cette semaine, donc on retrouve Skolas comme d'habitude, alors j'ai pu trouver un petit screen comme la semaine dernière avec tous les dégâts des boss, donc vous pouvez le voir à l'écran, donc Skolas cette semaine il est tout simplement en dégâts solaires, voilà, donc ça fait plutôt plaisir, je pense que pour ceux qui galèrent un petit peu à tuer Skolas, c'est beaucoup plus facile de tuer en dégâts solaires, notamment Marteau Noir, Galand, des choses comme ça fait vraiment très mal. Et on se retrouve enfin sur le récif, donc j'ai décidé aussi de vous montrer cette semaine ce que vendait Varix. Donc cette semaine, Varix nous vend les bottes, donc là je suis avec le titan bien évidemment, les bottes donc pour tous les personnages. Et vous aurez donc la chaîne d'Orbixfell, donc la mitrailleuse lourde avec des dégâts abyssaux. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous plaît ce petit programme. Éclatez-vous bien, amusez-vous bien, faites-vous plaisir entre potes. Je vous dis à très bientôt les gars, prenez soin de vous. Tchuss!